Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. On reste chez Marina Vap, on va venir parler des liquides, bah du liquide plutôt, parce que c'est 100 ml quand même. Du Bangers, voilà, Bangers, d'une... C'est ça. Ça te fait penser énormément à une glace? Oui, c'est normal, c'est un peu du copier-coller. Un peu. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Là, c'est le fisheye. Le fisheye, qu'est-ce que c'est? On est tout simplement sur un aspect de glace, chocolat, près pépite de chocolat. Et bah, j'ai presque fini mon flacon de 100 ml. Donc, il est temps de vous faire un retour sur ces liquides-là. Oui, mais ça a été envoyé. Ça m'a pas été envoyé, c'est moi qui me l'ai pris. Pourquoi? Parce que vous payez à peu près 25 balles. Vous avez un packaging comme ça. Et il y a beaucoup de choses dedans. C'est ce qui m'a fait craquer. Au niveau de la saveur, je n'avais pas testé auparavant, donc c'était vraiment, je me jette dans l'inconnu, surtout pour du 100 ml, c'est risqué, mais alors, c'est buenos. Je vous ai dit, vous avez un gros packaging avec pas mal de choses intéressantes. Qu'est-ce que vous avez? 100 ml, mais 100 ml plein, tu vois? Il rigole pas chez Marina Vap. 100 ml plein avec deux fois des flacons unicorn 30 ml avec les stickers déjà posés, donc t'en as deux. Ça c'est déjà très bien, ça veut dire que t'es déjà avec 3 flacons, 1 plus 2, 3, un petit pâte de coton, toujours sympa, qui est fourni par Cotton King, alors je sais pas si avec la lumière on va bien voir, mais ça vient de chez Cotton King, coton très très bien que je recommande en passant. Attention, ça change tout, ça fait que vous payez 25 balles ça, voilà, ça coûte très cher ça à faire, mais au moins c'est déjà très bien. Vous avez un étui à lunettes, alors pour moi qui possède des lunettes, c'est très très bien. Du coup, à l'effigie, deux Bangers. Deux coils en NI80, je vous avoue, je les ai pas encore testés. On va voir ce que ça donne plus tard. Bon, à la rigueur, peut-être vous faire un retour dans une vidéo samedi où je parlerai de matos. Pas de souci. Tout ça qui vous sera fourni dans un tout petit sachet directement à l'intérieur. Alors du coup, les Bangers. Les Bangers, vous avez vu que c'est quand même une bonne copie d'une marque de glace, donc je tairai le nom pour pas avoir de soucis derrière. Bien connu, bien connu. Ça commence par Ben, ça finit par Jerry. J'ai pas cité de nom, non du tout. Et c'est vrai que c'est qui tout double. C'est qui tout double parce que pour l'avoir fait tester à pas mal de personnes, là sur l'aspect de glace chocolat, soit vous kiffez, soit vous kiffez pas. Voilà. C'est entre guillemets cet inconvénient. Moi j'adore le chocolat. Mais à vaper, c'est toujours très spécial de vaper une glace au chocolat. Alors j'ai testé deux choses. Le mettre sur dripper, le mettre sur atomiseur, que ça soit un Melo 4, un Melo 3, un Nautilus ou un truc comme ça. Et après le mettre sur le Bravo. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, attention, mon nom apparaît. Ah, j'adore faire cet effet en ce moment. Et du coup, bah, tu verras que j'utilise beaucoup, c'est le setup Relo Gen 3 envoyé par Gearbest avec le Bravo. Et justement, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a ce liquide-là. C'est vraiment le setup que je me fais parce que sur le dripper, le chocolat est écœurant, il est trop fort, on a l'impression de rien vaper, aucune saveur. Par contre, sur le Bravo, je suis en dual coil, coil de chez mon ami... C'est beau. Allez, on fait un petit écart comme ça, le titre est un peu plus gros. Qui vient de chez Rock'n'Coil. Merci à toi, mon petit Armand. Et c'est nickel, ça passe quali. Je suis à 80 watts, nickel. Avec le King Coton, là. Au top. Les saveurs, ça va quand même bien varier entre le dripper et le RDA. Je vous l'accorde. Mais pour moi, c'est pas trop écœurant. Après, dites-vous que vous partez quand même sur un liquide bien gourmand de 1, de 2... qui attaque quand même les résistances, parce que mon Nautilus et mon Melo 3, ils s'en souviennent de ce liquide-là, je vous le conseille pas. Et l'avantage, c'est que, au lieu de se balader avec 100 ml de jus, vous en faites un en 3, un en 0, comme vous voulez, et vous venez le remplir. On a la pipette en unicorne, évidemment, qui est très bien, vous venez la retirer avec les doigts, vous n'avez pas besoin de vous arracher les doigts avec une pince ou un truc comme ça, au top, je vous conseille vraiment à 100%. Il y en a un, on est vraiment sur l'aspect, donc la glace la plus connue avec des morceaux de... je sais pas comment c'est... Merde, je sais... Ben & Jerry's Cookie. Voilà!
Il y en a une, la glace la plus connue, c'est celle avec des morceaux de cookies. Et bah, il y a la Bangers, la même, un peu glace américaine. Un régal. Vous avez également une glace fraise et après une glace trio, enfin que moi j'ai appelé le trio. Chocolat, vanille, fraise. Je les ai pas testés, moi j'ai testé principalement c'est le chocolat. Et ce que je peux vous en dire, c'est si vous êtes sur reconstructible, c'est très très bien. Si vous êtes sur du matériel primo vapoteur, faites attention parce que les résistances, elles vont prendre un coup, ça va vous faire mal. C'est vraiment quitte ou double pour votre part. Soit vous allez bien apprécier cette gamme-là, soit vous allez pas du tout apprécier. Pour le prix, je trouve qu'ils auraient pu faire un prix beaucoup plus excessif au vu de ce qui est fourni à l'intérieur. C'est vrai que quand on regarde ça, on se fait, tiens, 100 ml, il y a quand même pas mal de choses qui est fourni. Généralement, c'est 30, 32 euros, à peu près. Et bah là, le prix, il est quali. Si vous désirez les retrouver, bam, description, c'est gratuit, tu peux aller les acheter. Évidemment, bon, ça vient de mon magasin. Bangers, je recommande à 100% uniquement si vous êtes sur reconstructible, si vous aimez bien les aspects un peu chocolat, un peu vanille, un peu fraise, foncez sans aucun souci. Là, source assurée. Après, tentez pas le diable. Si vraiment vous voulez, vous aimez bien le chocolat mais sans plus, tentez pas le diable, ça va servir à rien. Faut vraiment bien aimer et puis faut tenter. J'espère que cette petite revue vous aura aidé parce que moi, sincèrement, j'en suis pas déçu. Vous avez été quelques-uns sur Instagram à me dire « Allez, fais une vidéo sur les bangers pour voir ce que ça donne et ton ressenti. » Donc là, voilà, j'aime bien les liquides. Ça passe peut-être en, ça passera peut-être en all day. Pour l'instant, j'utilise vraiment, je fais 2-3 pleins dans la journée. Après, je passe sur d'autres liquides. Par exemple, les marshmallows. Petite revue que tu verras demain, du coup. Et c'est nickel. Marina Vape, on va également en parler demain par rapport au liquide marshmallow qui, eux, m'ont été envoyés par le Vest. Merci Olivier. Et ça va être nickel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Vous verrez, demain, j'aurai le même t-shirt. Je vous rassure, c'est juste que je fais les vidéos en même temps. Une très bonne vape à vous. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo. Prenez soin de vous. J'ai oublié de te dire, composition du liquide 70-30. Voilà, c'était gratuit. Allez, prends soin de toi et n'oublie pas, prends une vape libre.